belle rentrée sous le soleil et dans le vent, comme vous pouvez le voir. C'est toujours l'occasion de rencontrer des enseignants motivés, des enfants en pleine forme. Une rentrée des classes un lundi, il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé. Cette année, c'est 4850 enfants qui font leur rentrée dans nos 36 écoles. Des classes qui vont être moins surchargées, donc c'est important. De sorte qu'on a une moyenne par classe d'un peu plus de 20 élèves, ce qui est extrêmement confortable pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents qui en sont ravis également. C'est un moment aussi pour nous, avec les services scolaires de la ville, que je salue et que je remercie, de faire un peu le point sur les travaux qui ont été faits pendant l'été, en régie ou par les entreprises. On sait qu'il y a encore beaucoup à faire, mais vous le savez aussi, nous avons de gros, gros projets d'investissement pour agrandir des écoles en périphérie. Au-delà de ces travaux annuels, il y a le grand lancement pour l'année 2023-24 des 3 groupes scolaires dans le cadre du marché global de performance, que sont Saint-Martial, Coulonges maternelle et Jacques Brel. L'année scolaire 2023-2024 lance le déploiement d'un nouveau dispositif d'alerte anti-intrusion, anti-attentat, et chaque personnel et enseignant sera doté d'une balise interconnectée avec tous les membres de l'école, ce qui permet d'avertir des enseignants qui sont en sortie avec des enfants avant qu'ils ne reviennent pas à l'école. Et aussi, elle déclenche une écoute active auprès des forces de l'ordre. Bonne rentrée à tous, aux enfants, aux parents un peu inquiets, surtout ceux qui les amènent en maternelle. Tout ira bien, soyez tranquilles. La cantine leur offrira les meilleurs repas du monde et notre personnel est à leur service pour que ces enfants deviennent des adultes accomplis et surtout bien cultivés.